香港为了纪念刘四，香港政府就取消了这个艺术作品，所以 Yan's Gallery Show 就在全世界，呼吁大家，替这个艺术作品，要求自由啊，因为艺术作品现在也变成了反革命，也变成了就是国家的敌人，所以我们也要把这个艺术作品说，艺术也是民主，也是自由。Voilà. Liu Xiaobo, le prix Nobel de la paix, est le seul prix Nobel de la paix qui soit mort en prison depuis Karl von Ossievski, qui était mort en 1936, à l'époque des nazis. Alors, en ce jour de fête des mères, je voudrais dédier mon intervention au maire de Tiananmen. J'ai choisi pour cela un extrait de l'élégie du 4 juin que Liu Xiaobo a écrite pour le 19e anniversaire des massacres. Et je n'ai changé, évidemment. Tous, Madame Castaños, qui a longtemps dirigé Amnesty International et qui connaît bien le sujet, donc, depuis de longues années. Voilà. Bonjour, Marie. Bonjour. Je me sens très humble d'être avec vous aujourd'hui. Et 往民主去的时候，中国就继续往独裁制，走他的路。Maintenant, je voudrais donner la parole à notre dissident chinois, celui que. C'est un centre de service social. Je suis canadien, du comité pour la liberté à Hong Kong. Je viens de Hong Kong, bien sûr. 我们这一批人，我们这一代人，我们要走在一起反对中共的，不要再说什么中国人不中国人，因为我们是同一阵线的。维吾尔、西藏、中国人、香港人、台湾人，所有在不同地方的华人，只要你是争取这个民主自由的，我们都是走在一起。希望大家努力，谢谢。Bon, Marie m'a demandé de parler de Taïwan. Je suis pas sûr que c'est le bon. 我跟你们觉得。La commémoration publique et même la simple mention du massacre de Tiananmen qui fut exilé. En Chine, la population est soumise à une surveillance permanente grâce aux technologies de vidéosurveillance et de reconnaissance faciale. C'est très difficile, hein. Il faut savoir que beaucoup de Chinois ont peur. Et donc, ils n'aiment pas parler en public. 就是扰民纪律是吗？我觉得是最简单一个。第二点呢，是我们无论我们是什么族群的人，就像刚才 Kenny 讲的，无论你的身份认同是一个香港人，是东突厥斯坦人，是吐蕃人，其实大家都对我们因六四之名聚集在此，其实都是一个对中共说中共政权说不和对一个中国民主化的期待这样的一个机会。Mémorial 98 et c'est un fidèle de nos commémorations, donc je lui laisse la parole. Merci.Le 3-4 juin 1989, Pékin a mobilisé pour mettre fin à un mouvement étudiant pacifique réclamant la démocratisation de la Chine. Bonjour, genre, je vous promets d'être bref parce que je n'ai rien préparé. En fait...Je suis venu les mains dans les poches, comme on dit. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que d'abord, depuis 34 ans, effectivement, nous commémorons un événement qui a fait entre 1000 et 4000 morts, selon les chiffres, on ne sait pas trop. Et depuis 34 ans, le gouvernement chinois, malgré le fait que ça fait 34 ans, refuse toujours de reconnaître qu'il y a eu des morts. Nous devons garder notre vigilance. Macron qui s'est rendu en Chine, qui fait le business, il faut que nous avions un petit peu de collectivisme. J'ose pas vous dire à l'année prochaine, parce que j'espère que l'année prochaine la Chine sera démocratique, on peut rêver quand même. Et à ce moment-là, on organisera une danse des dragons, des tigres et tout ce qu'on veut, et on se réjouira. Merci, à bientôt.